marché smartphone n'a pas si span grandi. Année 2022 a noté ouais divers modèles qui étaient sortis. Dans vidéo ça, on a présenté au classement de top 10 smartphone Android qui étaient sortis année qui s'est passé là. Liste ça par une liste qui vraiment ordonnée, mais on a découvert ensemble smartphone ça qui très intéressant. À noter que téléphone ça très premium. Dis-nous dans commentaire si vous avez gagné au classement téléphone qui plus abordable en termes de prix. Numéro 1, Oppo Find X5 Pro. Li gen la dan yon écran de 6.7 pouces avec 50 mégapixels dans caméra principale et puis 32 mégapixels dans caméra frontale là. Li gen yon mémoire de 8 à 12 GB RAM et de 256 à 512 GB stockage. Nous jwenn nan téléphone sa yon processeur Snapdragon 8 première génération. Et puis, li gen yon batterie de 5000 mAh. Numéro 2, Realme 10 Pro Plus. Li gen yon écran de 6.7 pouces avec 108 mégapixels dans caméra principale yo et puis 16 mégapixels dans caméra frontale la. Avec une mémoire qui allait de 6 à 12 GB RAM et puis 128 à 256 GB stockage. Li gen yon processeur Dimensity 1080 et yon batterie de 5000 mAh. Numéro 3, Asus Zenfone 9. Asus Zenfone 9 nan, li gen yon écran de 5.9 pouces avec yon résolution de 1080 par 2400 pixels et puis yon refresh rate de 120 Hz. Li genye 50 mégapixels dans caméra principale yo et puis 12 mégapixels dans caméra frontale là. Li genye une mémoire de 8 GB RAM et puis 128 GB stockage. Li genye là-dedans un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Plus première génération et puis une batterie 4300 mAh. Asus Zenfone 9 nan, en pile nan gros youtubeur tech yo, yo considéré comme meilleur choix nan téléphone ki yo capable di ti téléphone ki yo ka kebe nan yon seul main. Numéro 4, Poco F4 Pro. Poco F4 Pro a li genyon écran de 6.7 pouces avec une résolution de 1080 par 2400 pixels et puis yon refresh rate de 120 Hz. Li genyon la dan nan caméra principale yo 64 mégapixels et puis 20 mégapixels nan caméra frontale la. Li genyon mémoire de 6 GB RAM et puis 128 GB stockage. Nous jouons dans le téléphone ça au processeur Qualcomm Snapdragon 870 et puis une batterie de 4500 mAh. Numéro 5, OnePlus 10 Pro. OnePlus 10 Pro a gagné un écran de 6.7 pouces avec une résolution de 1440 par 3216 pixels et puis un refresh rate de 120 Hz. Avec 50 mégapixels dans la caméra principale yo et puis 32 mégapixels dans la caméra frontale la. Mémoire la commencé de 8 à 12 GB RAM et puis 128 à 512 GB stockage. Li gen yon processeur Qualcomm Snapdragon 870 la dan et puis 5000 mAh nan batterie. Numéro 6, Asus ROG Phone 6. Li gen yon écran de 6.8 pouces avec une résolution de 1080 par 2448 pixels et puis yon refresh rate 165 Hz. Avec 50 mégapixels dans la caméra principale yo, et puis 12 mégapixels dans la caméra frontale là, li gen yon mémoire de 18 GB RAM et puis 512 GB stockage. Avec le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Plus première génération, li gen yon batterie de 6000 mAh. Téléphone ça c'est téléphone qui spécialement dédié avec gaming. C'est ça qu'il faut ouais, li gen toutes caractéristiques ça yo. Numéro 7, Nothing Phone 1. Nothing Phone 1 c'est un téléphone qui fait parler de li en pile année qui s'est passé a. Li gen yon écran de 6.5 pouces avec une résolution de 1080 par 2400 pixels et puis un refresh rate de 120 Hz. Li gen 50 mégapixels dans la caméra
principal yo et puis 16 mégapixels dans caméra frontale là avec une mémoire de 8 GB RAM et puis 128 GB stockage. Li gen la dan yon processeur Qualcomm Snapdragon 778G+ et puis yon batterie de 4500 mAh. C'est un téléphone que l'elle te sorti, yo te directement comparé avec iPhone yo par rapport avec design ni et puis qualité li. Numéro 8, Google Pixel 7. Google Pixel 7 la gen yon écran de 6.7 pouces avec une résolution de 1440 par 3120 pixels et puis yon refresh rate de 120 Hz. Li gen 50 mégapixels nan caméra wide la et puis 48 mégapixels téléphoto et puis 12 mégapixels ultra wide dans caméra principale yo et puis 10.8 mégapixels dans caméra frontale ou bien caméra selfie ya. En termes de mémoire, il y a les de 8 GB à 12 GB RAM et puis 128 GB à 512 GB stockage. Li gen la dan processeur Google ça qui relait Google Tensor G2 ya. Et puis en termes de batterie, li gen une batterie de 5000 mAh. Numéro 9, Sony Xperia Pro. Li gen yon écran de 6.5 pouces avec une résolution de 1644 par 3840 pixels et puis yon refresh rate de 120 Hz. Li gen la dan nan caméra principale yon 12 mégapixels et puis 8 mégapixels nan caméra frontale la. Li gen yon mémoire de 8 GB RAM et puis 512 GB stockage. Dans le téléphone, ça nous joignons processeur Qualcomm Snapdragon 865 et puis une batterie de 4000 mAh. Numéro 10, Samsung S22 Ultra. Li gen un écran de 6.8 pouces avec une résolution de 1440 par 3088 pixels et puis une refresh rate de 120 Hz. Li gen la dan 108 mégapixels nan caméra principale yo et puis 40 mégapixels nan caméra frontale la. En termes de mémoire, li gen une mémoire de 8 GB RAM et puis 128 GB stockage avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 première génération la dan et puis une batterie de 5000 mAh. Merci parce que vous avez regardé la vidéo ça. Dis-nous qui smartphone que vous pire aimer dans classement ça et puis pas oublier abonner si vous pouvez faire ça parce que nous gain en pile l'autre vidéo qui a venu par exemple classement meilleur laptop qui était sorti dans année 2022 ya. Et puis tout pas oublier si vous intéressé dis-nous ça dans commentaire pour nous capable venir avec un nouveau classement smartphone mais qui plus abordable en termes de prix.